entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Mitraille, les grenades. Tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton pardon, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Ici nous vois-tu, nous on lâche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir s'achevera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays? On enchaîne. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes la résistance. Aujourd'hui, émission spéciale, très très spéciale sur le terrain, un retour sur le terrain de toutes les équipes constituantes en duplex avec plusieurs équipes en simultané pour une opération très spéciale. Je fais venir tous mes amis en live. Bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous sommes au ministère de la Santé, des solidarités et de la santé. Des collègues, des camarades sont rentrés dans l'enceinte. Et nous allons réclamer le traitement de mettre fin au négationnisme présidentiel. Voilà. Après la lettre à l'Élysée, l'envahissement du ministère de la Santé. Alors vous avez vu le début, vous pourrez le retrouver sur la page de secours parce que tout le cas est dedans, il a donné. Pouvoir politique. Et voilà, donc on a une moitié de temps. Le régime a perdu son incapacité à assumer ses décisions. N'oubliez pas, les amis, les trois mots-clés: négationnisme présidentiel qui nie le traitement,
qui nie, qui a fait causer tant de morts, et donc clairement un meurtre de masse qui se déroule devant nos yeux. Il faut arrêter ce problème. Bonjour. Alors ici, nous avons l'équipe qui est à Paris. Nous avons également un petit peu partout une équipe en France. Elle n'est pas là. À Toulouse, dans le Nord, en Bretagne. Voilà. Par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Voilà. Nous allons faire un petit tour du côté de la Bretagne. D'accord. Alors, on a pris cette question parce qu'il y a eu un petit dilemme en début de départ des élections. Elle était, pour l'instant, les places sont en fonction. Oui. C'est pas encore passé. D'accord. Pas bon, mais elle est pas sans D'accord, d'accord. Bon, d'accord. Donnez-lui à elle. Hein. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bon, ben voilà, la lettre a été donnée. Donc, voilà. Alors, mon ami, dis-moi, cette opération, qu'est-ce que vous avez fait concrètement cette lettre? Alors, on s'est rendu à l'hôtel de ville de Paimpol, donc la mairie, pour remettre donc la lettre de mission à notre mairesse, qui n'était malheureusement pas présente. Donc nous avons rendu en main propre à la secrétaire de mairie la lettre qu'elle va lui transmettre. Donc voilà quoi. Donc là on est devant l'hôtel de ville et voilà. Donc on est rentré dans l'hôtel de ville. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà un petit peu. Très bon accueil, aucun problème, très souriant et voilà. Donc on va lire la lettre l'appel devant la mairie. Voilà. Ouais. Appel des Gilets jaunes au corps constitué pour un retour à la vie normale, à la souveraineté de la nation et à un pouvoir politique légitime. Le régime a montré son incapacité à assumer ses obligations, en premier lieu desquelles notre protection sanitaire individuelle et collective, l'exercice de nos libertés fondamentales et la garantie de l'État. Négationnisme présidentiel. Le confinement est inutile et criminel. Il détruit l'économie, produit du chômage, de la dépression et des violences. Et il met donc en danger la santé publique. Le confinement sert désormais à imposer une dictature sous un prétexte sanitaire. La crise du Covid-19 a prouvé l'illégitimité du régime actuel. Par la même du gouvernement d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, par leurs incapacités à assumer leurs obligations de protéger la population. Le temps est venu de fédérer toutes les énergies, toutes les volontés et tous les courages pour faire triompher le peuple souverain et pour replacer le service du bien commun au centre du politique. Le temps est venu de construire une vie digne et juste pour de nouveaux jours heureux. Face à la faillite de ce régime criminel, nous appelons les membres des corps constitués à prendre personnellement et collectivement leurs responsabilités politiques. Nous les appelons à faire aboutir le combat du peuple souverain par la mise en place d'un pouvoir légitime. Professionnels de santé, personnel des armées, gendarmes, douaniers et tous les membres de la fonction publique qui ont le bien commun à cœur. Le pays est au bord de l'abîme. Pour le peuple, pour la France, pour nos enfants, nous vous donnons mandat et nous vous enjoignons de reprendre le pouvoir des mains criminelles de ceux qui l'ont usurpé. Parce que notre combat est juste, nous vaincrons. Les Gilets jaunes. Aou ! Voilà. Aou ! C'est un appel des Gilets jaunes au corps constitué. Alors, bon, on refera certainement, on ira voir les gendarmes et l'armée par la suite, certainement, parce que là... Très bien. On va aller faire un petit tour du côté de Toulouse maintenant pour voir où ils en sont et ce qu'ils ont fait. Salut à toutes, salut à tous. Ben nous, on s'est présenté à l'ARS. On a été les voir, on leur a expliqué qu'on n'était pas trop d'accord avec le négationnisme présidentiel.
et qu'on luttait pour le bien commun et pour tout ça. Je vais y arriver. Voilà. Et donc voilà, là on est devant, on a fait 2 appels au corps constitué, mais on n'était pas en direct, donc on va en faire un 3e. En plus, ça tombait bien parce qu'on avait un petit comité d'accueil, donc voilà, on va les appeler directement à eux. Si tu veux y aller. Alors tu me fais un signe quand appel vous êtes... Appel de gilets jaunes au corps constitué. Pour un retour à la vie normale, à la souveraineté de la nation et à un pouvoir politique légitime. Le régime a montré son incapacité à assumer ses obligations, en premier lieu desquelles notre protection sanitaire individuelle et collective, l'exercice de nos libertés fondamentales et la garantie de l'état de droit. Il existe un traitement du Covid-19. Mettons fin au négationnisme présidentiel. Le confinement est inutile et criminel. Il détruit l'économie, produit du chômage et des faillites, de la dépression et des violences. Et il met donc en danger la santé publique. Le confinement sert désormais à imposer une dictature sous un prétexte sanitaire. La crise du Covid-19 a prouvé l'illégitimité du régime actuel et de par là même du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron par leur incapacité à assumer leurs obligations de protéger la population. Le temps est venu de fédérer toutes les énergies, toutes les volontés et tous les courages pour faire triompher le peuple souverain et pour replacer le service du bien commun au centre du politique. Le temps est venu de construire une vie digne et juste pour des jours heureux. Face à la faillite de ce régime criminel, nous appelons les membres des corps constitués à prendre personnellement et collectivement leurs responsabilités politiques. Nous les appelons à faire aboutir le combat du peuple souverain par la mise en place d'un pouvoir légitime. Personnel de santé, personnel des armées, gendarmes, douaniers, policiers et tous les membres de la fonction publique qui ont le bien commun à cœur. Le pays est au bord de l'abîme. Pour le peuple, pour la France, pour nos enfants, nous nous donnons mandat et nous vous enjoignons de reprendre le pouvoir des mains criminelles de ceux qui l'ont usurpé. Parce que notre combat est juste, nous vaincrons. Les gilets jaunes, à où ? À où ? À où ? Voilà, bonne action. Très bien, très bien, très bien tout ça. Alors, je vois que nos amis de Paris doivent avoir quelques petits problèmes. Quelques petits problèmes de direct. Nous sommes ici avec l'équipe du Nord. Ah, parti. Allez, vas-y. Voilà. Allez, c'est parti. Ça filme. Bon alors, dites-moi où vous êtes là. Attendez, je fais un petit retour sur Paris et je reviens vers vous tout de suite. Non, c'est pas ça. Reste avec nous, s'il te plaît. D'accord, bon allez, reste avec vous. Vas-y. Allez-y. Avance. L'exercice de nos libertés fondamentales et la garantie de l'état de droit. Il existe un traitement. Avance, Arnaud. Mettons fin aux obligations de la présidentielle. Arnaud. Le gouvernement est-il criminel ? Avance dans le truc. Alors, dites-moi exactement où vous êtes là actuellement. Vous êtes alors, on est devant le pavillon Roger Prades à Seclin.
Donc on fait un petit appel aux hospitaliers là. Le confinement intimidit les criminels, il détruit l'économie, produit du chômage et des faillites, de la dépression et des violences. Il met donc en danger la santé publique. Le confinement sert désormais à imposer une dictature sous un prétexte sanitaire. La crise du Covid-19 a prouvé l'illégitimité du régime actuel. Et de par là même du gouvernement Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, par leur incapacité à assumer leur obligation de protéger la population. Le temps est venu de fédérer toutes les énergies, toutes les volontés, tous les courages pour faire triompher le peuple souverain, pour replacer le service du bien commun au centre des politiques. Le temps est venu de construire une vie digne et juste pour de nouveaux jours heureux. Face à la faillite de ce régime criminel, nous appelons les membres des corps constitués à prendre personnellement et collectivement leurs responsabilités politiques. Nous les appelons à faire aboutir le combat du peuple souverain par la mise en place d'un pouvoir légitime, professionnel de santé, professionnel des armées, gendarmes, douaniers, tous membres de fonctions publiques qui ont à bien au cœur le bien commun. Le pays est au bord de l'abîme. Le peuple, pour la France, pour nos enfants. Nous vous donnons mandat et nous vous enjoignons de reprendre le pouvoir des mains des criminels, de ceux qui l'ont usurpé. Parce que notre combat est juste, nous vaincrons. Aou. Les gilets jaunes. Aou. Bonjour monsieur. Petite question peut-être. Je vous filme pas la tête, hein, ne vous inquiétez pas. Et si je veux pas qu'on filme? Juste les pieds, regardez. À mon avis, vos pieds sont pas. Non mais je m'en fiche, c'est pourquoi en fait votre okay, intervention. Bah, déjà, vous nous auriez écouté, ça aurait été bien. Mais, voilà. Alors, je vous explique. Nous, on est un groupe de gilets jaunes, donc on est bien un groupe de gilets jaunes bien distinct. On est les gilets jaunes constituants. Alors notre groupe, c'est le 5962, et on a un message aux pompiers, aux médecins, aux hospitaliers, à la police, et voilà. Donc on était juste venu passer notre petit message, voilà. Alors, on est pas là pour. Excuse-moi, Gilad, ça bouge sur Paris, là, il y a... Ok, vas-y, va sur Paris, là, va sur Paris, c'est bon. Est-ce que... Les amis, je vous entends très mal, on a l'artillerie qui arrive. Vous êtes là à Paris, je vois qu'il y a... toujours des camarades qui sont dedans, on n'a pas pu rentrer à plus, et puis bon, là, bah, c'est revenu comme à l'ancienne, quoi, ça rappelle des souvenirs. Ils sont masqués, hein, ce qui n'est pas le cas des agents du ministère de la Santé. Mais bon, comme on disait avec les camarades, ils ont des stocks de chloroquine, hein, ils ont le traitement, eux, donc ils ne sont pas trop de soucis. Et voilà, là, ils rentrent. Donc, on suppose, on va voir ce qui va se passer pour nos camarades à l'intérieur. On est là ! Pour un monde meilleur. On est là. Donc je vous rappelle les amis, le négationnisme présidentiel, voilà ce que c'est. Il y a un traitement, mais on attend le vaccin pour rincer les amis, les coquins, actionnaires des lobbies pharmaceutiques, entre autres, hein, et aussi évidemment masquer la crise économique qui était déjà là, hein, sans le corona. Donc voilà. Alors bon, on s'inquiète un peu pour nos camarades à l'intérieur. On va voir ce qui va se passer. Pour info, il y a Mishka qui est dedans avec le live de la page de secours. Donc s'il y en a qui veulent jeter un œil, voir si ça se passe bien pour eux. Parce que j'ai comme l'impression que les flics là, ils sont pas. Ils ont eu des ordres d'être. Comment dire? C'est la sortie du confinement, quoi. Même si Macron ne veut pas, on est là. Alors, est-ce qu'il y a des prises d'identité? Est-ce qu'il y a des fouilles? Est-ce que pour vous faites verbaliser? On se fait nasser, comme à notre habitude. Ah, on perd pas les bonnes habitudes, hein. c'est le grand retour, même pour les forces de l'ordre. Alors, je t'entends très mal, Viking, donc j'essaie de répondre, mais je t'entends très très mal. Donc voilà, une petite nasse. Alors moi, ça me fait plaisir. Ça faisait des années. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on n'a pas pu exercer notre droit de circulation. Et puis bah là, on le fait.
mais bon, ça va encore pas. Mais on arrive dans un état totalitaire, de toute façon. Oui, bah on y est, on y est. Hein. La preuve, justement, avec le fait de ne pas, de ne pas donner les solutions pour pouvoir guérir le coronavirus correctement. De c'est, pas c'est, même pire que de ne pas donner, c'est même pire que de ne pas donner les solutions. C'est qu'elles sont, elles sont à la vue de tous, mais pas utilisées. Et en disant, il faut le vaccin. Enfin, c'est quand même incroyable. Oui, mais le gouvernement, justement, n'a pas voulu donner le vaccin qui était totalement valable avec la chloroquine. Ça, oui, ça a été prouvé, ça a été prouvé que le traitement est efficace. Donc, bah, on attend. Si tu veux refaire passer quelqu'un d'autre, je pense qu'on va pas bouger pendant un petit moment. On va revenir voir nos amis. Je vais prendre la température des amis et j'essaie de revenir tout à l'heure. D'accord, tu me fais un petit signe s'il y a une interview, quelqu'un qui veut parler, tu me fais un petit signe et. Oui, ok, vas-y, pas de problème, à toutes. Ça marche. Alors, on va revenir. Allô, allô, on va revenir chez nos amis du Nord. Ouais. Et nous, rapidement, nous, on bouge, on va à un hôpital, là, en fait. Ouais. Donc, juste pour te dire, on va bouger en bagnole. Donc là, pendant 5-10 minutes, on ne sera pas là, quoi. D'accord, ça marche. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. À vous. Nos amis de Toulouse, du Sud. Alors, je vois que vous marchez, là. Qu'est-ce que vous faites là, vous dirigez vers quoi? Allô, Toulouse, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai pas entendu ta question, mais j'ai précisé à nos amis de la police que les règles anti-corona ne sont pas respectées. Nous sommes nassés et nous sommes en danger de mort. Imminent. Alors, selon le protocole, justement, normalement, il ne devrait pas y avoir un mètre entre chaque individu. Bah voilà, là, c'est pas le cas. Alors, nous, évidemment, en venant à l'action, on avait respecté tous les protocoles de sécurité sanitaire admis par la République. Mais bon, la République elle-même, on n'a plus rien à foutre. La République, voilà, à laquelle on parle. La République, oui, c'est tout à fait ça. Bon, voilà, je recoupe, l'ami Viking. Eh ben écoute, il y a nos amis de Toulouse qui sont en off. Force et honneur à toutes les équipes sur le terrain. Ouais, force et honneur à eux. Tout le monde sur le terrain, c'est le grand retour. C'est le grand retour des constituants. Nos amis de Toulouse, est-ce que vous êtes là? Ouais. Allô. Ici Paris, j'appelle Toulouse. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Par contre, je vous vois pas. Ah, mais c'est normal, on bouge en bagnole. D'accord. Bon, ben, donc voilà, on est de retour dans 5 minutes. Dans 5 minutes à peu près, on est là. D'accord, il n'y a pas de souci. À de suite. Nos amis du Nord, je vois que ça bouge un petit peu aussi, non? Hop, donc Paris. Donc, il y a les contrôles qui sont faits, les forces de l'ordre. Allô, ici Paris. Oui, c'est ça, les premiers contrôles. Donc, pas de masque, pas de gants. Hein. Voilà. Bon, certains ont des masques, certains ont des gants, évidemment. Donc, voilà, ça prend les identités. On va voir les suites. Je croyais essayer de me donner des nouvelles sur la page de secours pour les amis qui sont à l'intérieur. Alors, je vais aller voir en même temps sur la page de secours. Ça aurait été bien de faire un duplex aussi avec l'intérieur des locaux. Il y a Mishka, tout un groupe avec Mishka qui sont à l'intérieur. Donc j'espère que ça se passe bien pour eux. Je vais aller faire un petit tour sur Internet en simultané. Pour voir comment ça se passe.
Et je vais pas pouvoir vous renvoyer le faisceau. N'ayant pas le pour l'instant le logiciel et je leur ai pas donné le lien du streaming. Donc pour l'instant, je vois que toutes les équipes sont soit nassées pour Paris ou alors sont en mouvement pour les équipes du Nord et de Toulouse. Donc pour l'instant, un petit stand-by. Donc là, page de secours. Ah si, je vais pouvoir, je vais peut-être pouvoir vous envoyer ça. Hop. Alors écoutez, je vais sur la page Facebook de la page de secours. Et je vais pouvoir vous partager ça avec un. Vous partagez la page via la régie ici à Paris. Oui, Viking, je viens de filer un coup de main parce que je sens qu'il faut meubler le live. Donc, on va faire du BFM. Nous sommes toujours en plein sur les contrôles d'identité. Voilà, je vais me faire contrôler moi-même actuellement par les défenseurs du génocidaire Macron. Et voilà. Alors, je vous le précise, vous êtes en live sur Internet. Si vous pouvez ne pas citer mon nom, ce serait gentil. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vais passer sur l'autre groupe de Paris. Vas-y, je recoupe. Je vais faire un partage d'écran. Alors après, je ne sais pas si vous entendez le son. J'espère que vous entendez le son en même temps. Quelques petits problèmes techniques en régie avec le son. Ses frais de bouche et tout ça, ça serait intéressant de savoir parce qu'il est maire. Ça combien ? 10 000 ? Ça dépend de quel côté du chêne. Oui, c'est ça. Voilà, les amis, on va garder un petit peu de batterie. Il y a quelques petits soucis au niveau du direct sur l'autre, sur la page des constituants, page de secours. Donc apparemment il y a Mishka qui a coupé le live pour garder un petit peu de batterie pour faire un pour la suite des opérations. Est-ce qu'une équipe est prête là? Allô, est-ce qu'il y a une équipe? Alors j'ai l'équipe de Paris. La seconde équipe de Paris, est-ce que vous êtes là? Donc toujours les contrôles. Non, toujours pas, toujours rien. L'équipe de Toulouse. Toujours en mouvement. Donc ouais, voilà. Ouais, c'est ça, de... toujours en mouvement, ouais. Désolé. L'équipe de... Ok, impeccable, toujours en mouvement. Ah, je vois que il y a notre ami sur les. J'entends rien à ce que vous racontez, les gars. Salut mon ami. Allô. Ouais, salut. Voilà. On t'entend. Comment vas-tu? On t'entend, ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Alors cette reprise. Tu vois, on est maintenant sur le terrain. Bah écoute, là on était devant le ministère de la Santé.
Ça se passait plutôt bien. Il y avait trois vigiles qui nous avaient bloqué la porte. Nos collègues avaient réussi à rentrer avant. Et donc, nous, très civilisés, on a décidé de pas forcer, de pas pousser. Et au final, ils nous ont emmené la gendarmerie. Enfin, non, c'est les CRS. Ils nous ont emmené les CRS et puis ils nous ont nassés. Alors, on est dans des sortes de double nasse un peu bizarres, quoi. Ils nous font un contrôle d'identité, voilà, quoi. Bon, alors, est-ce que vous avez mentionné les règles, justement, les protocoles de sécurité et d'hygiène par rapport au coronavirus aux forces de l'ordre? Moi, je te coupe parce que on est tous les uns sur les autres. On est genre, 15 par mètre carré, quoi. Et donc, les règles, je crois qu'ils ont rien à foutre, quoi. Alors, je vois qu'ils ont des masques, malgré justement que le pouvoir politique en place ne voulait pas que les forces de l'ordre ne portent de masques pendant un bon moment du confinement. Je vois que là, les masques sont arrivés pour eux. Alors, ouais, bon, déjà, contrairement à ce qu'on voit à l'image, ils n'en ont pas tous, en fait. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas. J'essaye d'en trouver, mais non, tout à l'heure, il y en avait qui n'en avaient pas. Après, je sais pas exactement si c'est le gouvernement qui leur a fourni, si c'est le ministère de l'Intérieur qui leur a fourni, ou si c'est des trucs à eux, quoi, de leur propre initiative. Parce qu'ils sont pas normalisés. Il y en a de différentes sortes, en fait. Ouais, il y a plusieurs classifications de masques. Ça, c'est vraiment les masques basiques de chirurgie. C'est pas il me semble que c'est la classification FFP2 pour les plus efficaces. Ouais. Là, c'est vraiment des masques de base, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en fait, si tu veux, comment dire, c'est clair, il y a pas de FFP2 ou FFP3, ça c'est une certitude. Mais non seulement ça, mais en plus de ça, ils ont des masques de couleurs différentes, donc ils viennent de stocks différents, quoi. Enfin bon, bref, ouais, c'est pas très important. De toute façon, le Covid, pour moi, c'est une coquille vide. Moi, après, c'est que mon avis. Hein. Ça n'engage que moi. J'aime beaucoup le masque de notre ami derrière Gilet jaune. Voilà. Ah, il est énorme. Il est énorme. Excellent. Il est excellent. Il est excellent. Ça, c'est du masque. Eh oui. Eh ben, je vois qu'il y a notre ami. Notre ami Thibaut qui est derrière aussi. Ouais, il y a Thibaut, il y a tout le monde. Hein. On y est tous, hein, tu vois. C'est le grand retour des constituants sur le terrain. Bah écoute, ouais, on essaye. Hein. On essaye. Après, t'avais d'autres questions, Vicky? Eh bah écoute, devant le ministère, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et donc, vous avez lu justement le communiqué contre le négationnisme présidentiel. Bah écoute, la Camtar est en train de lâcher le discours, si on peut l'entendre. Si on peut l'entendre. Mais oui, je pense que le rappel a été fait à l'intérieur. Ne restez pas auprès des fonctionnaires, là. D'accord, merci. Bien sûr. Alors, il y a nos amis justement de Bretagne, du Nord et de Toulouse. Qui ont justement lu le texte devant des mairies et devant des services de santé. Le message est très clair, le message est passé. Là, ils partent pour d'autres lieux. Ils vont revenir sur d'autres. On serait bien. C'est comment les autres équipes là? On est en direct. On est avec Viking, alors je vois pas les autres en fait. Alors les autres sont en déplacement en fait. Ils sont en déplacement là en voiture. Ils sont en déplacement en voiture là pour le moment. Voilà, donc ils sont sur d'autres lieux. Ok, d'accord, ok. Ok, je te repasse soit Seb, soit Will. Vas-y, cher ami Wilson, ça s'est passé comment à l'intérieur alors? Bah écoute, bon, déjà, pourquoi on est là? Rappelle-nous. Hein. Alors, on est là pour imposer une vision qui est en vérité une vision très populaire,
l'écrasante majorité des Français ne comprennent pas pourquoi ce gouvernement, qui en vérité, vous le savez tous, est à la solde de l'oligarchie, nous impose depuis le début une vision complètement étriquée des choses, un confinement. Déjà, tu ne confines pas des gens qui ne sont pas malades. D'où ça sort? D'où ça sort cette doctrine médicale? Déjà, il y a Anguille Souroche. Deuxièmement, il existe deux traitements différents, notamment le célèbre traitement de M. Raoult, Dr. Raoult. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas proposé à la population, sauf dans des régions bien précises, etc. Et pour les élus et l'armée. Et pour les élus et l'armée. Ben, on ne comprend pas. Je veux dire, c'est à peine 6 euros la boîte de chloroquine. Quoi. C'est hallucinant. Catégorisée substance vénéneuse en janvier 2020. 13 janvier 2020, cette substance a été catégorisée comme dangereuse. Alors que c'est en libre service à la pharmacie depuis quoi, 30 ans, 40 ans. Libre service à la pharmacie, et pire encore, beaucoup de nations aujourd'hui utilisent la chloroquine pour guérir la population. Dont la Russie, qu'on ne citera pas. etc. Ouais, c'est mon pays, moi, le pays que je choisis, c'est Portugal. Voilà. Je veux dire, il y a quelque chose, on se pose la question, c'est quoi la volonté de ce gouvernement? De nous faire attendre quoi? Un vaccin? Pourquoi un vaccin? Est-ce qu'il y a besoin d'un vaccin alors qu'on connaît le traitement qui marche? Donc c'est quoi le rôle? En fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le ministère de la Santé, l'écrasante majorité des membres du conseil scientifique de Macron, ils sont tous en conflit d'intérêts avec les lobbies pharmaceutiques. Tous, on a vérifié, hein. Gilead, Sanofi, Laboratoire Roche, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, dont la célèbre Roselyne Bachelot a travaillé. À un moment donné, salut Maki, ça va? Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On va se taire devant cette situation. Ils prennent les gens pour des cons, pour des esclaves. Et pire encore, la vaccination de masse permettra, comme vous savez très bien, Bill Gates joue un rôle dans cette histoire, permettra un traçage numérique, soi-disant des malades. Alors qu'en vérité, c'est les préludes d'une surveillance de masse. Tout ceci, ça fait 10 ans qu'on nous rigolonnait, bande de complotistes, etc. Mais maintenant, la réalité, elle est là. Comme il y a 10 ans, on nous disait que la puce RFID, c'était de la paranoïa complotiste. Pourtant, aujourd'hui, elle est là. Et c'est la même chose pour le traçage numérique. Donc, on est venu rappeler, en fait, à ce gouvernement de criminels. On veut que soient privilégiés les traitements. C'est la volonté populaire. Donc, c'est soit il y a un référendum dessus, soit on chasse ce gouvernement qui doit être destitué pour crime de masse. Alors qu'à la base, déjà bien avant, on savait que ce gouvernement était illégitime. Et là, ils poursuivent, ils continuent. Donc par leur faute, il y a des milliers de personnes âgées qui sont mortes parce que non protégées. Là, vous voyez bien, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. On est rentré dans le ministère de l'Intérieur, de la Santé. Ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on a constaté? Aucun d'entre eux ne portait un masque. Aucun d'entre eux. Donc c'est quoi tout ce cinéma? Qu'est-ce que c'est de toute cette mascarade? La vérité, elle est là, chers amis. C'est qu'en vérité, ils ont gagné du temps pour nous imposer une vaccination de masse, pour accélérer la crise financière. Ne pas oublier ça aussi, hein. Parce qu'en vérité, ils sont en train de masquer ce qui se passe au niveau de la craque financière. Donc, par un négationnisme présidentiel meurtrier. Clairement par un négationnisme présidentiel. Donc là, ils nous ont promis de nous donner une réponse. Peut-être qu'on serait reçu éventuellement en petite délégation. Moi, je crois pas au monde des bisounours. Mais au moins, ça a été dit. Ça a été dit, c'est un fait. Donc voilà, les amis, aujourd'hui, on n'a plus que ça à faire. On n'en peut plus de faire des lives, de faire des émissions 2.0, ça sert à rien. Maintenant, on passe à l'action. On est revenu. C'est le déconfinement, il n'y a pas de souci. On monte d'un cran en radicalité et en précision. Maintenant, on rentre à l'intérieur de ces bâtiments-là et on demande des comptes. Parce que, chers amis, ce ministère-là, c'est avec vos impôts, avec nos impôts, qu'on paye leur salaire. Donc, ils ont des comptes à nous rendre. Ce n'est pas le contraire. Comme ils ont des comptes à nous rendre, nous cherchons à comprendre pourquoi il y a eu cette politique médicale depuis le début. Nous avons des débuts de réponse. Chers amis, savez-vous que c'est un monsieur qui s'appelle Neil Ferguson, qui est un agent de liaison avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui, par un travail de lobbying avec ses amis du Parlement européen, ont imposé le confinement à Macron. Parce qu'à la base, le gouvernement ne voulait pas de confinement. Ça a été imposé par Neil Ferguson, qui lui-même a démissionné de son poste aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas du délire conspirationniste. Allez lire par vous-même, cherchez par vous-même Neil Ferguson. Voilà. Donc c'est une politique mondialiste qui avait pour but, clairement, de détruire l'emploi français, d'accélérer la crise financière et d'accélérer la vaccination de masse. Tout ça n'est pas du complot, ce sont des faits. Je vous invite à lire et rechercher les sources par vous-même. Ouais, merci, mon ami. Quand ça touche à la vie, à tout sort de la vie, de la mort, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Et déjà, ça fait un an et demi qu'on accepte des choses qui devraient être. Ça fait longtemps déjà qu'on ne devrait plus les accepter. Et parmi les agents des forces de l'ordre, des gardiens de la paix,
qu'on a transformé en force de l'ordre pour bien faire flipper les gens. Gardien de la paix, déjà, c'était plus, je trouve ça plus moralement une appellation plus juste. Gardien de la paix. Mais aujourd'hui, moralement, c'est quoi votre engagement, vous, si ce n'est envers ce pouvoir inique? Moralement, est-ce que vous avez vous vous sentez engagé face à la population? Vous vous sentez un devoir face à la population? Vous vous sentez un devoir face à ce pouvoir républicain? Non, mais il faut arrêter de répéter tout le temps la même chose. Je vous ai balancé des arguments. Je vous ai dit des choses, je ne vous demande pas de prendre des positions politiques, mais les arguments que je vous avez, vous me dites, c'est nous qui faisons en sorte que ça se passe bien. C'est monsieur avec sa caméra, c'est moi, c'est madame, c'est le boulanger, c'est celui qui cultive les tomates. Bon, voilà mon ami Viking. Très bien, très bien. Donc là, en même temps, je suis en train de diffuser un article du Monde sur le fameux Neil Ferguson. Ah oui, parfait, merci. Voilà. Bah écoute, je recoupe le son pour l'instant, je reviens vers toi peut-être tout à l'heure. Bon après, on va peut-être pas faire un live trop long, quitte à nous relancer sur les pages si besoin. On est à 40 minutes, je vois, donc c'est toi qui gères Viking, je coupe le son. Il n'y a pas de souci. Ouais, on me dit je vais quitter le StreamYard, pour l'instant je vais garder de la batterie et à voir si tu le laisses ou sinon je relance sur une page, on se tient au courant. D'accord. Alors, est-ce que tu as des nouvelles de Mishka et du groupe? Oui, oui, c'est bon, ils sont sortis. Bah, Wilson est là, Mishka est là. Tout le monde est sorti. Et justement, le truc là, c'est qu'ils sont sortis parce qu'ils ont négocié la possibilité de faire entrer une délégation pour mettre fin au négationnisme présidentiel, réclamer le traitement, arrêter le génocide de masse en cours, surtout sur les vieux en EHPAD et tant d'autres gens faibles. Donc voilà, on attend pour pouvoir rentrer avec une délégation. On filmera, hein, évidemment. Attendez, il y a peut-être Elias qui va nous faire un petit mot. Vas-y, Elias. Un petit mot de l'intérieur. Aucun des personnels du ministère de la Santé ne porte de masque. Et Wilson nous l'a dit, ouais. Ah, donc il vous l'a dit, c'est bon. Ils nous ont dit qu'ils devaient se débrouiller. Le gars à l'entrée m'a dit c'est la débrouille. Ah, c'est pas le ministère de la Santé, bravo. Moi, je crois surtout que c'est une vaste blague et que cette épidémie. Mais bon, ce n'est que mon avis, je ne suis pas médecin. Donc, voilà. En sachant que le coronavirus. 0,08% le taux de mortalité, c'est ça? Je ne me rappelle plus du chiffre. Non, moins que ça. Moins que ça encore. 0,04. Bon, voilà. La mortalité avec le coronavirus est moindre que le virus de la grippe qu'on a. Ouais. Ok, Viking, je coupe pour l'instant, on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Alors, notre équipe de Toulouse, où vous en êtes? Vous êtes, est-ce que vous êtes encore en déplacement? Allô, ici Paris, j'appelle Toulouse. Ouais, on est quasiment arrivé. Vous êtes quasiment arrivé, j'entends des sirènes derrière. Ah non, c'est rien, c'est une ambulance, on n'est pas loin d'un hôpital, c'est pas grave. D'accord, très bien, très bien. Bah, tu me fais signe quand tu as du nouveau. Nos problèmes, à de suite. Alors, au sujet de, justement, en l'attendant, au sujet de Neil Ferguson. Donc, Neil Ferguson, un épidémiologiste de l'Imperial College, a dû démissionner suite aux révélations qu'il y a eu sur le journal Le Télégraphe. Il n'avait apparemment pas respecté les consignes de sécurité par rapport à l'épidémie. Alors, je vous mets l'article ici du Monde que je suis en train de lire en temps réel avec vous. Donc, il se disait immunisé, donc en sachant qu'il y a certains pays qui n'ont pas justement le gouvernement, il me semble que c'est la Norvège ou les Pays-Bas, je ne veux pas dire de bêtises, où justement le gouvernement n'a pas voulu faire de méthode de confinement, en sachant que le système interne de chacun, de tous les citoyens, allait
aller réagir de suite et faire leur propre méthode justement de d'immunité contre le virus. C'est un des pays où il y a eu le moins de victimes avec l'Allemagne qui par contre eux ont fait la méthode du protocole de confinement. Donc l'Allemagne qui a eu un des taux les plus faibles. Et donc le Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe, alors les avis sur la communauté scientifique nationale, alors je lis en même temps avec vous. La communauté scientifique nationale a été partagée entre l'affliction et la colère mercredi. Neil Ferguson est un bon modélisateur et un scientifique indépendant. Il a transgressé les règles il y a un mois. Alors pourquoi cette non-info? Elle est sortie le jour où le bilan de nos morts a dépassé celui de l'Italie. Qui d'autre va être désigné comme bouc émissaire? S'interrogeait même sur Twitter Anthony Costello, professeur de santé publique à l'University College de Londres et un ancien collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, tout à fait, Cécile. En Allemagne, 4 fois moins de morts que dans les autres pays d'Europe. Alors, Doliprane, en plus, tous, ils avaient leurs masques, donc je ne comprends pas cette question, pourquoi on parle des gestes barrières des gendarmes. Non, justement, les masques ils n'ont pas été diffusés, ils n'ont pas été distribués. Ça fait partie justement du système de négationnisme que le gouvernement nous a fait pendant toute cette période de confinement. Moi c'est ma théorie, c'est que là justement au niveau protection comme au niveau remède. La chloroquine ne rapportait pas assez au laboratoire. C'était trop simple, c'était une solution beaucoup trop simple. On me dit en régie 0,0003% de mortalité avec le coronavirus. Au Vietnam, presque pas de mort. Il n'y a presque pas eu de mort au Vietnam. Les masques ont été détruits. Il y a certains masques qui ont été stockés dans des entrepôts. Il y a certains arrivages de masques qui ont été certains camions, soi-disant. Après ça, faut prendre les informations et puis essayer de les décortiquer. Parce qu'en fait certaines informations que les médias mainstream, on sait très bien de quel côté sont les médias mainstream, hein. Donc soi-disant les camions se sont fait piller pour une ville d'Île-de-France. D'autres échos justement qui sont venus pour dire que les masques étaient stockés dans des entrepôts. Alors, Corée du Sud, 51 millions d'habitants, pas de confinement, 260 décès. Oui, je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Je ne veux pas pouvoir affirmer, confirmer le message que tu es en train de passer, mais c'est très possible. On fait partie justement des pays où il y a le plus de victimes. Et en parlant justement en voyant ton pseudo de Liprane, toujours dans le négationnisme,
et cacher la vérité justement du gouvernement, au lieu justement de prodiguer des antibiotiques aux personnes qui sont victimes du coronavirus, il préconisait un doliprane et au lit, alors qu'il savait très bien que ça ne faisait absolument rien. Ça sert absolument à rien. Et ils ont totalement nié les méthodes du professeur Raoult, qui ont été étudiées, qui ont été testées et qui se sont avérées efficaces. Comment apporter des réponses avérées avec des informations erronées, des mensonges et des incohérences? Bah, c'est simple, Florence. Pour avoir la vérité, pour avoir réellement les bonnes infos, déjà, il ne faut pas regarder les médias mainstream. Ça, c'est une chose qui est claire, nette et précise. Les médias mainstream amènent, ce sont des collabos. Les collabos du gouvernement, et c'est pas par eux que tu auras justement les bonnes données, les bonnes informations. C'est sur internet, c'est sur les sites de dissidence, c'est sur les professionnels de santé qui sont là pour le bien commun, pour le bien du peuple, comme le professeur Raoult. Sur LCI à Dany. Et donc oui, ce n'est pas sur le mainstream. Oui, Daniel Cohn-Bendit, oui, bah, éteins ça, tu vas faire des cauchemars. Eh ben, très bien, Doliprane. Force honneur à vous dans le 13. Alors, je vois que dans le sud, il y a l'équipe qui est en route. Ah, il y a une très mauvaise qualité. Allô. Est-ce que vous êtes là, nos amis du sud? Tu m'entends, Viking? Très bien, je t'entends. Il y a une très mauvaise qualité, une très mauvaise résolution. Ça pixelise, mais je t'entends. Ok, ben à la limite, je vais couper la caméra. Pour le moment, c'est pas super intéressant. Attends. Tac. Alors, donc, on a bougé, on a fait une petite opération à l'ARS, à l'Agence régionale de la santé. Donc, on a eu 3 infos par la femme qui était là au guichet. Donc, voilà. Et là, on a décidé d'aller soutenir les soignants à l'hôpital Purpan. Donc, voilà, on s'est déplacé. Et là, on arrive devant l'entrée principale de l'hôpital. Voilà. Très bien. Donc, vous allez lire le texte. Ouais, a priori, je pense qu'on va faire ça, on va lire le texte, on va redéployer la banderole et essayer d'éveiller un peu les gens au négationnisme présidentiel. Très bien, très très bien. Ça c'est l'opération constructive. Voilà, c'est... Il y a un peu de monde. Ah, c'est intéressant. Il y a le retour en même temps, je mets en simultané le retour de l'équipe qui vient de Paris. Je vais te laisser parler, mais je vais te passer le résumé de la lettre. Normalement, je l'ai téléchargé. Vas-y. Je veux juste parler aux journalistes, pas moi les journalistes. Je peux venir le voir ou pas? Alors, il parle d'ici. Allô Paris, vous êtes en direct. Monsieur, vous êtes de quel média? Oui, pardon, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, je me mets un peu au calme.
Donc, nous avons une délégation qui est partie, une délégation de 3 personnes qui est partie dans le ministère de la Santé. Donc, pour être reçue, et puis le mot d'ordre, il est simple, hein, on veut le traitement sans attendre le vaccin et sauver la population. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc, on a 3 camarades qui sont entrés. Nous sommes, nous, toujours nassés, sans respect des règles d'hygiène de santé républicaine. Wilson qui essaie d'atteindre un journaliste là qui est venu voir. Et voilà, rien de supplémentaire, on attend. L'équipe est rentrée, ils ont dû rentrer sans téléphone. Donc pas de possibilité d'enregistrer ni rien. On n'a pas la lettre physiquement qu'on a déposée à l'Élysée, mais il nous resserre encore. On n'a pas la lettre physiquement, mais la lettre a été envoyée à tous les ministères. Donc, eux ont reçu la lettre avec le plan de déconfinement et la reconnaissance du traitement. Donc, voilà, je tenais à le préciser. D'accord, très bien, très bien, très bien. Donc, ça a été diffusé aussi un petit peu partout. Normalement, on devait aussi avoir un duplex avec nos amis de… Merci aux camarades de VT au passage. Hein. Tu penseras le bonjour à Bernard Arnault. Hein, fais la bise à Bernard Arnault, je pense. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Wilson? Il nous libère? Alors, en fait, il nous libère parce qu'on a envoyé 3 de nos camarades en délégation, donc en l'occurrence Mishka, Thibaut et Yes. Ils sont partis en délégation, puis seront reçus par le ministère de la Santé. Donc, on a réussi notre coup, quelque part. On va voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, ils ont fouillé, pas de possibilité d'avoir un téléphone, de faire de live. Donc, on va voir comment ils vont se débrouiller et on va attendre patiemment. On va attendre patiemment. Il y a un journaliste du Parisien là qui traîne. Bon, je vais dire qu'il va se faire enculer. Hein. C'est moi, les amis. On peut avoir de la pitié pour des médias mainstream qui nous baladent depuis des mois et on sait qu'ils participent à la propagande. Bon. Si c'est un pigiste, à la rigueur. Alors, tiens. Alors, en simultané, il y a nos amis du Sud qui sont là, qui sont prêts, qui ont déployé la banderole. C'est un bruit de médias mainstream. Mais c'est pas grave, de toute façon, ils ont perdu 100 000 lecteurs l'année dernière, le Parisien. Non, mais c'est pas grave, Bernard. On était en train de faire l'appel au corps constitué. Par leurs incapacités à assumer leurs obligations de protéger la population. Le temps est venu de fédérer toutes les énergies, toutes les volontés et toutes. Et courage pour faire triompher le peuple souverain et pour replacer le service du bien commun au centre du politique. Le temps est venu de construire une vie digne et juste pour de nouveaux jours heureux. Face à la faillite de ce régime criminel, nous appelons les membres des corps constitués à prendre personnellement et collectivement leurs responsabilités politiques. Nous les appelons à faire aboutir le combat du peuple souverain par la mise en place d'un pouvoir légitime. Professionnels de santé, personnel des armées, gendarmes, douaniers et tous les membres de la fonction publique qui ont le bien commun à cœur. Le pays est au bord de l'abîme. Pour le peuple, pour la France, pour nos enfants, nous vous donnons mandat et nous vous enjoignons de reprendre le pouvoir des mains criminelles de ceux qui l'ont usurpé. Parce que notre combat est juste, nous vaincrons. Oh, oh. À lire encore. Là, on a un peu de monde qui est venu se fédérer, se greffer à nous là. Ça a interpellé un peu de gens. Bon, ben, c'était le but. Hein. Ah, très bien, c'était très bien. S'il y a des personnes qui se sont ajoutées à vous, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a un éveil des consciences généralisé. Les gens commencent à ouvrir les yeux et à arrêter de se moutoniser devant BFM. Alors, je vois que ça bouge encore un petit peu sur Paris. Donc, la NAS a été relâchée. Alors, pas vraiment encore. Là, on se fait escorter, on ne sait pas vraiment où. Donc, le ministère est là. Hein. On quitte le ministère. Alors, il y a nos camarades qui sont toujours dedans. Et nous, on est escortés un peu plus loin, de manière un peu plus desserrée. Voilà. Il y a un journaliste du Parisien qui est là avec nous. On ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et on attend, voilà. On a l'ami Kamtar qui parle à nos amis de la Marée Chaussée. Alors que vas-y, qu'est-ce que tu leur as dit à nos amis de la Marée Chaussée? Eh ben, depuis ce matin, ouais. C'est quoi le mot d'ordre?
Le mot d'ordre, c'est stop au négationnisme présidentiel, stop au négationnisme d'État qui ne veut pas reconnaître aujourd'hui l'existence d'un traitement efficace contre le virus du Covid-19 qui pourrait permettre… tu parles avec ta bouche et tu le pousses pas. Tu peux voilà. y aller doucement aussi. Putain. Mais tu vois bien, on est en train de filmer. Là, fais pas le malin. Fais pas le malin. Donc, du coup, je te disais, ouais, je me calme. Je me calme, mais c'était inutile ce qu'il a fait. Il pouvait s'adresser au monsieur. Voilà. Donc, bon, c'est bon. Y a des policiers qui sont un peu énervés, apparemment. Je ne me tais pas. Voilà. Donc, je te disais, fin, stop au négationnisme présidentiel qui ne veut pas reconnaître l'existence d'un traitement aujourd'hui qui pourrait permettre en vérité un déconfinement total immédiat. Tu vois ? Et qu'on arrête à jouer au chat et à la souris et de permettre aux serviles de la police nationale, tu vois, de jouir de cette situation qui leur permet de jouir de la souffrance et du contrôle systématique et injuste de la population. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Je recoupe l'ami Viking pour l'instant et je te tiens au courant. Ça marche. Alors, comment ça se passe? Alors, pour attends, répondre… Attends, Wilson voulait dire un petit mot. Province, là, comment ça se passe comme province? Je le provoque pas, je lui dis la vérité, je n'ai pas raison. Alors, là, il y a les Toulousains qui ont fait leur deuxième opération. Ils ont fait leur deuxième devant leur deuxième spot. Ils ont lu leur texte au mégaphone. Il y a des personnes qui se sont ajoutées à eux, qui étaient des personnes qui ont été justement alertées par leur discours et qui se sont joints justement à la manifestation, ce qui est très bon. Il y a un éveil des consciences, ça se voit. Donc un bon petit groupe qui se sont accumulés devant on a perdu Wilson donc devant l'organisme de médical là-bas à Toulouse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Doliprane, écoute, pour répondre à ta question, pour pouvoir nous joindre, c'est simple. On a une boîte mail, c'est gilet@protonmail.com. Donc voilà, ceux qui veulent nous rejoindre ou alors créer des équipes dans leur département, contactez-nous, il n'y a aucun souci, on va vous répondre. On a des équipes un peu partout en France, donc dans le Nord, en Bretagne, en Alsace, en Normandie, à Toulouse. On commence à avoir réellement des équipes un peu partout en France. Alors, c'est clair qu'il faut, il ne faut pas accepter le vaccin. Oui, ça, c'est clair. Là, il va réellement y avoir, des effets indésirables avec leur vaccin, comme ça a déjà été le cas précédemment. Alors, répétez l'adresse. Alors, gilet@jaune.constituant. Alors je vous le mets dans le chat. Alors giletjaune.citant@mail.com. Alors, apparemment, nous avons un petit souci encore avec YouTube. Déjà depuis le début, il y a eu quelques petits ratés. C'est les aléas du direct. Je n'ai pas les commentaires non plus. Je n'ai que les commentaires sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de YouTube. Pourtant,
mon logiciel me dit que nous sommes en direct. Les viewers sur YouTube, est-ce que vous pouvez me donner un retour? Je n'ai pas le retour sur YouTube. Nous avons des petits soucis. Pour l'instant, je n'ai que le chat de Facebook sur la page Constituant France. Alors, j'entends du son derrière. Est-ce qu'il y a du nouveau? Notre équipe du Sud. Rapidement, là, ça. Il y a des gens qui ont mal pris le fait qu'on ait marqué non au vaccin. Donc, on est des extrémistes. C'est un peu ouais. Toujours le même souci. De toute façon, on a toujours. Ouais, mais c'est... ça, c'est pas nous qu'on est qualifié d'extrémiste, de complotiste, de. Oui, enfin, ça, c'est. Voilà, c'est habituel. Oui, tout à fait. Non, mais ça a été très vite, quoi. On n'a même pas vu l'étincelle s'allumer que ça a démarré du feu de Dieu, quoi. Enfin. Non, mais à part mais... ça se passe. Ça se passe bien. Ouais. Donc, alors, un petit résumé. Donc, les deux opérations que vous avez fait là, cet après-midi. Donc vous avez été à deux endroits différents. Donc on est allé. Donc je te coupe parce que ça lag. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un blanc. Donc en fait on est allé à l'ARS, l'Agence régionale de la santé. On a demandé si on pouvait voir des gens qui avaient des responsabilités ou quoi ou qu'est-ce. Bien sûr, il y avait personne à nous présenter. On a récupéré un numéro de téléphone quand même. Et donc après, on a fait l'appel au corps constitué devant l'ARS. On avait une fourgonnette de flics, mais ça s'est très bien passé avec eux. Donc, ils étaient là juste pour surveiller, je pense. Et après, on a décidé de venir ici, devant l'hôpital Purpan, et où on savait qu'il y avait une réunion depuis 14 heures. Et on est arrivé, il y avait encore du monde. Donc, on a refait un appel au corps constitué devant l'hôpital Purpan. Très bien. Alors, pour vous donner un petit peu des infos des autres groupes, je ne suis plus en liaison avec notre équipe de Bretagne pour Paris. Pour Paris, une délégation est actuellement dans le ministère de la Santé. Et pourquoi le chat est désactivé sur la page YouTube? Désolé, il y a des petits soucis techniques. Donc, une délégation au ministère de la Santé sur Paris. Alors, nos amis de Toulouse. Ouais, excuse-moi, il y a des bugs de son. Désolé. Ouais, il y a des petits soucis. Et du coup, nos amis du Nord et nos amis parisiens, comment ça se passe? Alors, je te disais donc qu'il y a une délégation qui est entrée dans le ministère de la Santé, donc composée de Mishka, d'Aliès et de Thibault. Ils n'ont pas voulu que ce soit filmé, donc ça va se passer en huis clos. C'est réellement ce qu'on ne veut pas, justement. Mais là, on n'a pas trop le choix. Ils nous ont pas donné le choix. Donc l'équipe du Nord a fait une bonne opération. Devant justement l'hôtel de ville. Et là, l'équipe de Bretagne, je n'ai pas de retour de nos amis du 22. Donc voilà, bah ici apparemment par chez vous, c'est plutôt calme.
Est-ce qu'il y a, il y a pas de nassage, il y a pas de contrôle d'identité. Au niveau, non du tout. Ils sont là, ils nous encadrent. Partout où on est allé, on en a vu, mais non, ils font pas chier visiblement. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de d'abus de pouvoir ou de trucs comme ça. Pour l'instant, on n'a pas été emmerdé. Après, on va voir quand la nuit elle va tomber, ça les excite en général. Ouais, donc à Paris, ça bousculait un petit peu, donc ça chauffait un petit, enfin ça chauffait, mais gentiment, mais ça bousculait un petit peu quand même. Donc voilà, un fort cordon des forces de l'ordre avec un assage, hein, comme d'habitude. Donc là, oui, ça a l'air très très calme chez vous. Tout se passe bien, c'est une bonne chose. Ah oui, tout se passe très bien. Vraiment, on n'a pas été embêtés. On a été surpris de voir un comité d'accueil à l'ARS. Mais bon, après, en y réfléchissant, c'était pas si surprenant que ça. Et là, je vais voir, je pense qu'on va bouger, on va essayer de faire peut-être une autre action ailleurs. Je vais aller voir avec les collègues. D'accord, très bien. Ah, plus, alors, je te tiens en jus, de toute façon. Vas-y, très bien. Alors, je regarde en même temps le chat. Alors, Titi Tiag, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi ces mouvements? Alors, justement, c'est contre le négationnisme présidentiel. Donc, la base, justement, des opérations sur toute la France, des gilets jaunes constituants et des gilets jaunes en général. Donc c'est pour justement de cacher totalement la vérité sur les cas de coronavirus. Quand on sait que il y a eu beaucoup moins de morts que la grippe, que le virus de la grippe qu'il y a chaque année, c'est à hauteur de 0,003%. Donc réellement infime, et le manque justement de lucidité et le fait de cacher pas mal de choses au niveau du gouvernement français, que ce soit au niveau de la chloroquine. Donc ils ont fait un déni total au niveau du traitement à la chloroquine, et aussi le fait de ne pas distribuer de masques de protection pour le peuple français. Donc voilà, voilà justement ce que l'on pointe du doigt. Donc là, c'est le déconfinement à partir d'aujourd'hui, avec justement leur système de région, leur système de justement de couleurs jaune, vert et rouge, selon justement les cas qui ont été que l'on peut recenser dans les différents différents hôpitaux, système qui est totalement aberrant, et comme façon la politique qu'ils ont pu avoir depuis le début du cas du coronavirus. Donc toute la zone Est et Paris est en zone rouge. Sérieusement, vous rigolez, c'est une blague votre question. Bah écoute, non, doucement dans le chat. Je vois qu'il y a un direct là qui est en cours. Alors, c'est nos amis du Nord. Non, mais il n'y a plus rien. Rebonjour, Viking. Bah, c'est juste pour te dire que bah, on est rentré. Et bon, on a fait deux actions. Donc, on a fait une action devant les pompiers, une action devant l'hôpital. Et bon, il ne se passait pas grand-chose à la deuxième. Donc, on est reparti, quoi.
Ok. Alors, pompiers et hôpital. Alors, je note au fur et à mesure hein, toutes les opérations qui ont pu se faire sur les départements. Donc, pas de soucis, pas de nassage, pas de prise de, d'identité. Tout s'est bien passé. Impeccable. Bon, à part les pompiers, donc on n'a pas filmé, on a fait un petit péristope, mais les pompiers, on a eu affaire à un capitaine de pompiers là qui a pas voulu nous parler, donc il nous a un peu, il nous a un peu rejeté quoi. Mais bon, après on est parti sur l'hôpital et voilà quoi. Et l'action sur l'hôpital s'est bien passée. Donc alors, voilà, les... c'était pour te tenir. Très bien. Alors les pompiers, est-ce qu'ils sont militaires ou ils sont civils par chez vous? Moi, pour moi, c'était un capitaine et je pense que c'était militaire. Là. D'accord. Donc oui, donc ils ont ils n'ont pas le droit de donner quoi que ce soit comme, comme information si ça fait partie du corps militaire. Exactement. Donc vous leur avez parlé de la convergence des corps constitués, qu'on a besoin d'eux. Il a, du moins, les pompiers n'ont rien voulu entendre. Hein. Après, on l'a fait devant l'hôpital et le message est passé. Voilà, quoi. On a fait une distribution de tracts et bon, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, c'était juste pour prévenir que tout le monde va bien. Très bien. Je te laisse, Viking. Et à bientôt. Allez. Force et honneur à toi. Force et honneur, camarades. Ah, ciao, ciao. Et bravo aux constituants de, d'Île-de-France et de Paris. Bravo. Eh ben, sur ce, je pense que je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles encore de la délégation qu'il y a à Paris au niveau du ministère. On lynche personne ici, on n'est pas dans une caserne de flics. Non, mais... Non, Titi, t'inquiète pas. Pacifique et bienveillant, toujours. Eh bien, avec plaisir, Kat. Donc, sur notre boîte mail, est-ce que... Ouais, Viking, ouais. Je reviens discuter vite fait. Nous, on n'a pas bougé pour le moment. On s'est lancé dans des discussions, pleines de discussions, en fait. Donc pour le moment, on n'a pas bougé, quoi. C'était juste pour te le dire. D'accord, entendu. Eh ben, écoutez, pour l'instant, tout le monde est un peu en stand-by. On attend justement le retour de la délégation qui est à Paris. Je ne sais pas si je vais garder le live jusque-là. Je ne sais pas du tout pour combien de temps ils en ont. Ben sinon, ce qu'on va faire, c'est que, je vous invite à aller sur la page des constituants, des gilets jaunes constituants, page de secours. Je vais arrêter le live là sur le stream. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez continuer à voir sur les différents lives, sur les différentes pages, que ce soit sur la page de secours ou alors sur les différentes pages des constituants partout en France. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches et force et honneur et on ne lâche rien. Un petit mot de la fin pour vous, les Toulousains. Ben, on ne lâche rien. Aou. Voilà. Très bien. Allez, sur ce, bonne journée, une bonne semaine à vous. On va... oui, l'équipe de Wilson, non, c'est pas que je l'ai perdu, c'est qu'ils sont, pour l'instant en stand-by. Eh bien, retrouvez-les sur les différentes pages, voilà, sur Facebook. Bonne journée à vous, on lâche rien, force et honneur. Aou, à bientôt.